Bonjour, je m'appelle Désirée Maugrène et je suis en terminale G2 au lycée Théodore Monod. Comment se préparer au grand oral nous-mêmes? Les professeurs de spécialité, vos professeurs principaux, vous aideront à travailler, à parfaire les compétences qui sont requises pour réussir cette épreuve très particulière. Néanmoins, cette préparation est longue et le temps contraint. Il est donc certain qu'une partie du travail sera à réaliser hors du lycée individuellement. Vous aurez premièrement un travail de recherche et de réflexion. Les professeurs, c'est vrai, vous apporteront des ressources, des outils, des idées sur les différents thèmes du programme. Les questions que vous choisirez de vous poser seront le fruit de ce travail de réflexion personnelle individuelle. Vous devrez essayer de relever, d'identifier les objets, les parties du programme, les œuvres, les démonstrations mathématiques, les expériences, les découvertes scientifiques qui vous auront interpellé, qui vous auront particulièrement intéressé. L'idée peut aussi venir de votre expérience personnelle, de vos voyages, vos activités culturelles, de vos lectures, de vos rencontres. N'hésitez pas à prendre en note tout ce qui vous semble intéressant au cours de vos travaux de recherche. C'est pourquoi pendant cette première phase de travail seul, je vous conseillerais de vous créer un dossier, un portfolio dans lequel vous allez classer, regrouper l'ensemble des résultats de vos travaux de recherche. Il faudra trier ce que vous aurez pu amasser, sélectionner, et tout ce travail permettra de nourrir votre réflexion. Cette réflexion doit aboutir, ne l'oubliez pas, à la formulation de deux questions. Si par exemple deux élèves ont travaillé sur un même thème, un même sujet, ils vont énoncer nécessairement des questions différentes puisqu'elles sont le fruit de cette réflexion individuelle.